Ce résumé vous est proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League. Première frayeur là pour tous les tifosi de la Juve. La frappe ici à distance après 90 secondes de jeu et l'intervention importante de Chesney. Grosse pression catalane. Pjanic, l'ex de la maison, et Griezmann, le poteau. Oh là là, quel début de match. Écoutez, on est vraiment passé tout près. Il y a déjà cette superbe frappe. Chesney s'en sort comme il peut parce que c'était un ballon un peu flottant. Elle était violente, ouais. Difficile. Difficile, ouais, je pense qu'il fait ce qu'il faut. Voilà, il fait ce qu'il peut en tout cas sur ce type de frappe. Et là, ce rebond qui est favorable au Barça. Super frappe, hein. Ouais, de Grisou, ouais. Là, du coup de pied pour un coup de Griezmann, un, ouais, coup de Grisou qui va trouver le poteau de Chesney. Superbe cette, ouais, transversale de Messi, ne doit pas bouger. Ça arrive pile poil dans sa godasse là, Dembélé qui va rentrer dans l'axe. La frappe, pied droit. Ah oui. Oh, elle est déviée et elle va lober, tromper Chesney, un petit peu de chance. Et voilà le Barça devant, juste à la fin du premier quart d'heure. C'est vrai que c'est un petit peu de chance, même beaucoup, parce qu'elle est déviée. Mais en voyant la transversale de Messi, je me suis dit tout de suite, tiens, là, il va pouvoir l'isoler. On a vu d'ailleurs que Chiesa est arrivé avec un petit peu de retard et lui a laissé la possibilité, finalement, de pouvoir rentrer à l'intérieur. On voit que Chiesa va venir faire la double couverture seulement maintenant. Et là, c'est trop tard. Malheureusement, voilà, il y a un premier crochet. Et évidemment, on est bien d'accord, hein. Il a de la chance, Vincenzo. Oui, mais ce crochet-là et cet enchaînement, ouais, est intéressant. C'est le malheureux Chiesa, effectivement, qui dévissait et qui, ouais, trompe son gardien. Oh, magnifique, Griezmann, la talonnade, Messi. Quelle opportunité et quel coup de génie du Français, là, sur ce coup-ci. Mais c'est superbe parce que déjà, la première déviation de l'un pour l'autre, ici, c'est Messi qui va lui donner. Messi, ouh, poup, poup, là. Avec ce ballon instantanément repris par l'Argentin, quand ça traîne dans cette zone-là, lui, généralement, ça cadre. Oui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que ça fait deux ballons comme ça. Oui. Alba, l'accélération avec Messi, maintenant, ça va plonger. Dembélé, Pedri, ce sera Pedri, ce sera un crochet, et ce ballon qui passe une nouvelle fois devant le but de Chesney, ce sera un coup de coin. Ah, il s'en est fallu vraiment de peu là, pour que Messi puisse dévier ce ballon. Mais quel travail encore du Barça et de Messi en particulier. Hein. Comment il fixe là toute la défense de la Juve. Kulusevski avec Morata. Ouais, bien fait. Oui. Et ce ballon enroulé. Bon relais. Oui. Super passe, un super décalage pour Kulusevski qui l'a là sur cette passe-ci. C'est Bonucci qui donne le ballon, je pense. Oui. Ça, c'était remarquable. Enfin, trouver un peu d'espace entre les lignes. Messi. Messi, Griezmann, premier changement côté italien. Et ah, voilà. J'allais dire, c'est 0-2. Ça se joue à rien, ça. Mais ils ont gaspillé, hein. Ils ont vraiment gaspillé, les Catalans, parce que des situations comme celle-là, ils en ont eu beaucoup. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et regardez le jeu vertical, ouais, hein. Du FC Barcelone, mais vous ne rêvez pas, en deux passes, on est devant le but. J'aime beaucoup, hein, on retrouve, il y a vraiment, sincèrement, une complicité vraiment naissante là sur le système de jeu. En tout cas, peut-être que c'est vrai que Koeman a trouvé la clé pour les associer. Il est exclu, Demiral, il avait, ouais, déjà pris un carton tout à l'heure. Ouais, c'est jusqu'au bout. Exactement, et donc il manquera la prochaine rencontre européenne de la Juve. Messi, c'est un peu court. Ouais, et il y a un pénalty. Retour fautif.
de Bernardeschi. Il y a un ralenti qui nous fait douter. Vous croyez, non, il a été... Eh ben non, ça a été validé. Ce sera Messi pour le 2-0. Voilà. Succès du FC Barcelone grâce à son capitaine, auteur d'une très très bonne prestation ce soir. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.